Confiez-vous en l'Éternel. C'est petit message moi ça pour Jodia. C'est confiez-vous en l'Éternel. Chers amis, verset de base dans les trouver dans Ésaïe 26 verset 3 et 4. Et c'est un passage préféré dans la Bible. Ésaïe 26 verset 3 et 4. Pour moi pas dire c'est passage qui comme pi préféré parce que il y a un pile bel verset moi pas qu'à mettre l'un au-dessus de l'autre mais pendant 32 bon semaine ça bon Dieu fait moi 32e année sous terre il fait mon nouveau printemps et lorsque un frère m'a demandé de prêcher me dit ma vie partagée avec un peuple bon Dieu hein, avec l'église nous et deux versets ça Ésaïe 26 verset 3 et 4 envie partager entièrement sous verset ça et m'a invité nous ouvrir Bible nous ensemble avec nous capable lire Ésaïe 26 verset 3 et 4 et m'a invité nous lire tout le chapitre là tout chapitre là parce que son chapitre qui grand pile belle verset là dedans pile en pile vérité de verset yo frappé frères et sœurs verset yo frappé lorsque n'a pli son chapitre qui gain de beaux versets là-dedans m pas gain quel feedback mais moi souhaite que tout mon nouvel livre yo biblio dans Ésaïe 26 verset 3 et 4 nous lit à celui qui est ferme tu assures la paix. Que je confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Amen. Ouais, son verset m'a tellement aimé. Ouais, mon dieu, comment se dit? Timounio, comment se dit la même? Parce que moi, fais yo mémoriser verset ça. À celui qui est ferme de ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. J'aime dire nous, frères et sœurs, c'est parce que passage préféré dans la Bible. Son passage dans la Bible qui t'a porté pour moi un pile réconfort lorsque bon Dieu t'est venu ouvrir les yeux sous message ou vérité concernant personnalité et concernant et personnalité petit li Jésus-Christ plus que m'a étudié parole bon Dieu plus moi vinn ferme dans sentiment concernant qu'il y a un seul Dieu le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses et pour qui nous sommes, Jean que Paul dit nous dans 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est peut-être ça que mes versets, pas ça, ça a été tellement porté réconfort pour moi lorsque je me sentais seul, lorsque je me très actif dans l'église nominale, dans l'école sabbat, dans la jeunesse, etc. Voilà que vérité, ça a envie de ma part. Je me sentais pourquoi moi, des fois, moi, je pensais même que. Madame, moi, t'es qu'on a fait mon bagage. Je suis pas heureux dans le foyer. Pendant ce temps, c'est vérité ça qui tellement envahi. Je m'a partagé avec des frères et des sœurs dans l'église. Moi, que y a projeté, je pas qu'à comprendre. Tristesse envahi. Mais bon Dieu, fais un cadeau par ça, pour que tu es capable de réconforter, pour que tu es capable de moi la paix. Et nous avons un petit temps pour que nous soyons capables de décortiquer par ça ensemble, frères et sœurs. On nous prie. Bon papa, nous qui sommes dans le ciel, Dieu d'amour et de bonté, nous avons invité la présence avec nous encore une fois, dans le moment que nous avons partagé la parole. Nous sommes un simple vaisseau. Utilisez-nous pour que nous soyons capables de parler avec le peuple, réconforter le peuple, fortifier le peuple en ce sabbat 7 octobre, bon papa. Encore, mon père, nous avons demandé pour que nous soyons capables de pardonner les fautes avec le péché. Bon nous cet esprit ou, afin que nous capables dire non des choses qui viennent de nous-mêmes mais des choses qui viennent de ta parole. Fais-nous grâce, bénis ton peuple, bénis ton assemblée, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles.
Amen. Ésaïe 26, verset 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce que ça signifie? Être ferme dans ses sentiments. C'est arriver à un point côté foi nous n'est pas vacillante encore. Tant que Jésus te décrit Nexa qui te bâti Kalia sous le roc. Malgré tempête, malgré vent et marée, foi nous était ferme. Nous était ferme dans sentiment nous, dans croyance nous. Combien de nous, frères et sœurs, lorsque nous t'ai accepté la vérité du sabbat ou la vérité concernant le seul vrai Dieu et son fils Jésus-Christ, qui soit t'ai perdu travail ou bien pas de cas jeune travail facile à cause que lui pas de cas à le travail du sabbat, qui t'ai perdu de bonne famille maltraitée. Il a fait manger à nan kala, il a fait exprès parce que ou c'est adventiste qu'on a là, il met cochon là-dedans, il met enduit là-dedans. Combien de nous qui perdu de bons amis? Combien de nous l'école te vinn plus difficile pour nous? Il a fait exprès, il a fait examen jour samedi. Et là le professeur a dit il pas qu'à faire rien pour vous. Mais qui ça nous t'a fait les bails qui viennent paraître difficile comme ça? Est-ce que nous t'ai abandonné? Si nous chita là, je dis à ces signes, c'est preuve que nous pas abandonné. Nous t'ai été ferme dans nos sentiments. Et à cause que nous t'ai été ferme dans nos sentiments, nous t'ai été ferme dans nos croyances, nous. Bon Dieu t'a envahi nous avec la paix. En pile moun t'a pensé avec mauvais traitement que t'a pral que t'a ban nous yo. Nous t'a pral craquer, nous t'a pral abandonner. Au contraire. Nous t'a vinn pi affermi dans croyance nous. Et verset a dit à celui qui est ferme de ses sentiments, tu lui assures la paix. C'est bon Dieu qui assurait la paix, frères et sœurs. L'assurance de la paix vient de Dieu. C'est pas de nous-mêmes. C'est pas parce que nous faisons barrage, nous étions fermes que nous avons la paix. Au contraire, en plus de nous, l'esprit nous est troublé. Nous devons pitié. Nous sommes stressés. Nous avons qu'on a crié. Mais lorsque bon Dieu voit que Jean vérité ça yo te fait que le monde a traité nous ou bien famille a traité nous, bon Dieu lui-même lui assure nous la paix que seul lui-même capable bailler. Gen l'autre aspect aussi par rapport à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est un aspect doctrinal. Ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, frères et sœurs, sont ceux qui ne sont plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité de la charité ou de l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, versets 14 et 15. De nous ferme nos sentiments, nous vent de doctrine pas porter nous aller, frères et sœurs. Les nous ferme dans les principes fondamentaux de 1889 que bon Dieu te bay peuple lien, peuple adventiste au début de l'œuvre. Que frère Martin a fait un travail exceptionnel que la que chaque fois qu'il y a occasion pour le prêcher, il passe à travers croyance ça pour que le capable affermir nous, pour que nous capables rester fermes dans nos sentiments.
Bon Dieu, assurez-nous la paix. Parce que le plus souvent, nous, pourquoi nous? Moi, c'est même, madame, moi, des petites, moi, seulement dans le cas. Belle, même avec beau-père, je n'ai pas accepté le message, frères et sœurs. Des fois, je suis obligé de quitter aller à l'église avant de me lever de mon yo. Parce que je voulais aller avec yo. Yo pour qu'on comprenne, j'ai que même avec vous nous comprenne. Mais nous étions fermes dans ce sentiment, quel que soit ce que monde, quel que soit bagage que monde capable de dire, quel que soit vent de doctrine qui capable à vanter, nous étions fermes. Et une question ça pour nous, frères et sœurs. Est-ce que nous croyons que les doctrines des principes fondamentaux de 1889 sont la vérité? Et si nous croyons ça, à quel point que nous prêts pour nous bailler vie nous pour la vérité? Parce que ouais, tout ça n'a pas dit là, c'est petit bagage, c'est pas un rien que y ait devant ce que les martyrs de la foi, les premiers chrétiens, t'ont traversé pour la vérité. Ce que les vaudois ont subi de la part des inquisitionnistes pour la vérité. Et Apocalypse 12, verset 11, font un bel résumé. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Frères et sœurs, c'est prier ça parce que je suis sûr que je peux arriver dans le point ça, frères et sœurs. Pour la vérité, pour me prêter, pour me perdre vie, pour la mort, pour faire paix. C'est prier nous chaque qui t'a supposé. Parce que quand on est là, nous à l'aise. Yon moun di nou bagay, nou bali yon repons. Des fois ki nou pa ta suppose bay. Mais moun sa yo, yon pa gen option sa, non? C'était la mort, oui. C'était soit accepter l'hérésie papale ou la mort. Et je dis à frères et sœurs, très bientôt, nous pralons dans la même situation sa. Accepter l'hérésie papale. Le faux sabbat du dimanche, lié avec la fausse doctrine de la Trinité. Parce que je dis nous clairement que le jour du dimanche est consacré au Dieu de la Trinité. Ils ne sont pas séparés, frères et sœurs. Ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas marchés sans l'autre. Et pour les gens qui font histoire, qui étudient, nous voyons que lorsque la loi du dimanche a commencé en vigueur aux États-Unis, les Blue Laws, les lois bleues, toute demande a fait pour que le peuple américain repose le dimanche, tout est lié à ce que il respectait la doctrine de la Trinité. On ne peut pas respecter la doctrine de la Trinité. On peut observer le dimanche ou tu as un problème tout. Voir pour que tu ne peux pas observer. Tous deux. Est-ce que nous prêts pour que nous étions fermes dans nos sentiments face à la mort? Et à cause de cela, à cause de la persécution que bon Dieu connaît, que nous sommes capables de traverser, libère-nous assurance. Assurance pas li que la bonne nous la paix. Apocalypse 2, verset 10 et 11, encore, bon Dieu fait nous connaître, ne crains pas ce que tu vas souffrir, frères et sœurs. C'est vrai, c'est ça t'est passé dans la période de cette église, c'est des choses qui étaient passées déjà. Mais parole ça yo encore utile pour nous qui pral subir la persécution très bientôt.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, reste ferme de tes sentiments. Jésus a parlé avec nous. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jésus appelait nous à être fidèles jusqu'à la mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous sommes capables de souffrir la première mort. Mais bon Dieu, bonne assurance. Deuxième mort, pas pas gagner victoire. Pas gagner victoire sous nous, pas gagner pouvoir sous nous. C'est des paroles d'encouragement que Jésus-Christ libère nous pour que nous soyons capables de rester fermes dans nos sentiments. Et lorsque nous étions fermes dans nos sentiments, nous, lorsque nous étions fermes sur la parole de Dieu qui peut provoquer sentiments sérieux pour que nous étions attachés à la personne de Dieu, à sa parole, à la vérité, Dieu nous assure la paix. Jean 14, verset 1, Jésus-Christ dit nous, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, bagay yo capable bouleversant, mais pas quitter cœur nous troubler. Plus bas dans le même chapitre, au verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Pour que Jésus soit capable de plus spécifique, il va dire, je vous donne ma paix. Ce n'est pas n'importe qui la paix que Jésus a baillé. C'est ma paix. Et je vais vous faire un petit prêche sur la paix en Christ. Parce que je vous présente déjà dans le meeting. Pour nous voir qui gens que l'évangile là, les bénédictions de l'évangile que nous avons étudié dans l'école du sabbat, que l'évangile là, il y a une promesse que l'y baille, c'est la paix. Ouais, sans faire de politique, nous te connaissons, nous te connaissons président qui te connaît, dit la paix en ventre, la paix en tête. Est-ce que nous sommes jeunes la paix, ça, frères et sœurs? Au contraire, pays nous vient pire. Est-ce que les grandes puissances ont parlé de paix, de paix, de paix? Est-ce que nous sommes jeunes la paix? Non, c'est la guerre pire. Au contraire, lorsque il y a poté paix, qui s'est reporté? Il a poté la guerre. C'est peut-être ça Jésus-Christ dit lui-même. Il n'y a pas de n'importe qui paix, il n'y a pas de paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il n'y a pas de gens que le monde l'emballe, frères et sœurs. Il y a un paix qui, Jean-Paul dit, qui surpasse toute intelligence. Des fois, il y a demandé qui j'en est-ce que moun sa ou fait qu'elle propose comme ça? Qui j'en fait poser comme ça? Gardez pas les misères passer, mes amis. Gardez, même si c'était nous-mêmes, nous t'as foué. Gardez, yo refuse de travail, yo préfère la misère à cause de sabbat. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas compris. Cette paix que bon Dieu donne, il a dépassé l'intelligence. Il est troublé. Tandis que Christ vient habiter dans que nous par son esprit. Il a donné une paix qui surpasse l'intelligence incrédule. Verset 1 continue, il dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Raison qui fait que bon Dieu bon nous la paix, c'est parce que nous confions-nous dans lui-même. Verset 4, Esaïe prédit nous, confiez-vous en l'Éternel.
Esaïe pral fè un apel à exhortation. Li fin di yon, li fin fè un statement, li fin fè un citation, li fin di yon vérité, li fin cite yon fait. Il dit pour moun ki assure ki rete ferme nan sentiment yo, bon Dieu assure yo la paix parce que yo confie yo nan l'Éternel. Après là, li pral inviter nous, li pral exhorter nous frères et sœurs. Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, dites-le aux autres. Si nous allons nous faire confiance à l'Éternel, il est bon pour nous, on exhorte l'autre à se confier en l'Éternel. Proverbe 3, verset 5 dit nous, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas en confiance un jour, un moment, une situation, mais c'est en confiance en tout temps. Et frères et sœurs, Esaïe fait nous une exhortation. Mais si on invite nous à faire tel monde confiance, faut nous demander est-ce que tel monde est fiable? C'est une bonne question pour nous poser tête nous. Est-ce que m'ka fait une telle confiance? Si on dit me fait vraiment confiance et m'a dit est-ce que fait m'a fiable? Est-ce que m'ka fait confiance? Est-ce que n'importe qui l'aime m'a besoin là pour moi? Président, nous t'ai des sécurité. Des hommes armés. Mais malheureusement, il fait confiance. Il t'a dit yo pas qu'à assassiner. Et malheureusement, il a assassiné. Donc, il est important pour nous poser cette question. Est-ce que nous avons fait l'Éternel confiance? De Timothée 2, verset 13, il dit nous, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Frères et sœurs, Mounsa que Esaïe invite nous à faire confiance, ce n'est pas n'importe qui est. C'est un monde que même là nous renier lui-même il était fidèle à nous-mêmes. Même là nous infidèles, lui-même il était fidèle à nous-mêmes parce que pas qu'à renier tête lui. Là lui dit un bagage, là lui fait nous une promesse. L'a prêté fidèle jusqu'à ce que lui accomplit promesse ça. C'est nous-mêmes pour qui abandonner net mais depuis nous tourner à lui-même. Gap recevoir nous, frères et sœurs. L'Éternel est une personne de confiance. Et puisque nous voyons que lui-même l'a prêté fidèle, même là nous infidèles, nous capables d'entendre l'exhortation d'Isaïe. Nous capables d'entendre. Nous capables de répondre à l'invitation d'Isaïe pour nous faire l'Éternel confiance. Parce que lui-même il a prêté fidèle. Esaïe 45, verset 17. Dis-nous, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Mais moun que n'a fait confiance. Son moun qui pas fait nous honte. Son moun qui pas mettez nous dans confusion. Et cela pour l'éternité. Son monde qui a offert nous un salut éternel. C'est pas façon que les hommes disent, y a venu sauver Haïti ou pas même sûr que ça marche. Frères et sœurs, on a mette confiance nous dans un monde qui pas fait nous honte. Combien de fois nous on dit ah, il t'a fait moi. On mette confiance nous en petite ah. Et elle fait monte. Vous mettez confiance sur nos madame. Ah, et elle fait monte. Vous mettez confiance sur nos petites, nos pasteurs, nos frères, nos soeurs, etc. Ah, et elle fait monte. Moun sa, que Esaïe invite nous, mettez confiance nous dans le lien. Si un monde qui pas fait nous, qui pas fait nous honte. Qui pas mettez nous dans confusion. Et Esaïe invite nous à faire bon Dieu confiance
pas pour un jour, pas pour deux jours, mais à perpétuité. Pour tout temps. Pour qui ça? Psaume 92, verset 9, il dit, mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Bon Dieu a prêté, bon Dieu l'a prêté salier, l'a prêté fidèle à perpétuité. Psaume 102, verset 13, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Frères et sœurs, même si nous même faire l'Éternel confiance, mourir, depuis petit point de faire l'Éternel confiance, l'Éternel pas changer. La prêté même gens, l'été pour moi, la prêté même gens pour petit moi. De génération en génération, à perpétuité, l'Éternel a prégné, l'Éternel a prêté fidèle, l'Éternel a prêté un Dieu que nous capables de faire confiance. Car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est dernier partie verset 4 là. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Souvent, il dit nous lorsque dans le texte hébraïque, lorsque nous avons cité Baala deux fois, nous mettons en phase, ça m'a demandé pour nous réfléchir. Car l'Éternel, qui est-ce que l'Éternel, ça, frères et sœurs? On nous quitte l'Éternel répondre à une question ça. Qui est-ce que lié? Exode 34, versets 5, 6 et 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclame le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Voici l'Éternel que nous servons. Son Dieu qui compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, il conservait l'amour lui. C'est bon Dieu ça que Esaïe appelait nous à faire confiance. C'est bon Dieu ça que nous supposons faire confiance. Ce n'est pas n'importe qui est, frères et sœurs. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui t'a baissé ses petites liens pour que capable mourir, pour que nous t'es capable de gagner la vie éternelle. Et lui dit raison. Nous presque finis, frères et sœurs. Nous dit raison. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Deutéronome 32, verset 4 dit nous, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Regardez-vous, après chaque verset, bien que nous prenons petit parti, notre parti, nous, fidélité, bon Dieu, toujours été là. Parce que Esaïe appelle nous à faire, bon Dieu, confiance. Et pour nous faire un monde confiance, il faut que le monde soit fidèle. Quel que soit le verset que nous lions, qui a un lien avec la fidélité de Dieu. Il est le rocher, le roc solide. Et 1 Corinthiens 10, verset 4 dit nous, ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Jésus-Christ est notre roc. Et ça fait nous penser à l'image de la statue de Daniel. Côté roche là, sorti dans le ciel là, écrasé. Statue et puis il développait une grande montagne. Et il dit, règne, pape Jean, fini. Voilà la raison pour laquelle. Et il y a plusieurs autres versets, juste pour faire court et succinct, frères et sœurs. Tout,
Bon, parole bon Dieu mettait accent en pile sur le fait que l'Éternel est le rocher de son peuple. Christ, notre rocher, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Psaume 125, verset 1er, frères et sœurs, notre dernier verset pour ce matin. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ouais. Montagne, ça, que nous avons dans Daniel 2, hein? Bon Dieu, comparez-nous avec lui. Une montagne qui parle jamais chanceler. Une montagne qui est affermie pour toujours. Si nous mettons confiance nous dans l'Éternel, Jean que proverbe toi invite nous. En. Si nous restons attachés à lui-même, il nous a dit, l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Frères et sœurs, nous avons envie de partager le passage préféré Pam avec nous matin. Et m'a invité nous pour que nous capables de mémoriser verset ça parce que lorsque bagaille a bouleversé nous, trouble, problème a bouleversé nous, nous capables de dire à celui qui est ferme de ses sentiments. Lorsque faux doctrine, vent de doctrine a flotté bon côté nous, nous capables de dire à celui qui est ferme de ses sentiments, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Que l'Éternel, que Jésus-Christ capable de nous la paix, je lui dis. Que nous capables de gagner la paix qui surpasse toute intelligence. Et que la paix ça qui nous nous est capable d'attirer les autres à chercher la paix de Dieu. Que bon Dieu capable de bénir nous. La paix, bon Dieu avec nous. Amen.